Et bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'une petite astuce qui vous permettra tout simplement d'avoir un sorte d'habit ou une sorte de tenue assez stylée qui vous fera penser au SWAT. Vous pouvez faire ça de façon que vous pensiez que ce soit militaire, que ce soit les flics, etc. Donc c'est vraiment une tenue qui est assez cool. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cette petite animation style parachute, etc. en début de vidéo. Donc on va tout simplement atterrir devant le magasin de vêtements. Bon, moi je vais me casser la gueule, mais bon, c'est pas très grave. Donc on va atterrir comme ça. Je vais vous montrer un peu la tenue. Donc elle se réalise très très facilement, il n'y a aucun souci. Par contre, il va falloir faire un petit glitch, un tout petit glitch si vous voulez avoir exactement la même tenue que moi. Mais si vous voulez pas la même, vous la faites à votre sauce. Mais personnellement, pour faire ma tenue à moi, ma tenue 100% moi, il vous faudra réaliser un petit glitch. Donc je vous inquiétez pas, je vous ai montré ma tenue à moi tout entière en vidéo. Donc il y aura le petit glitch, la tenue, les vêtements, les chaussures, le pantalon, etc. Il y aura vraiment, vraiment tout. Donc voilà, on fait une petite cinématique. Voilà, il y a tous mes potes du SWAT qui sont là. Si vous avez un problème, on vous attend, il n'y a aucun souci. Donc je vous conseille aussi de mettre toutes vos armes ou de prendre les grosses batteuses et de les mettre tout simplement en couleur noire. Ça rend mieux et ça va mieux avec votre tenue. Et du coup, voilà, donc on va se rendre dans le magasin de vêtements afin de vous montrer la tenue. Donc pour réaliser cette tenue, vous allez tout simplement vous rendre dans les hauts. Donc on va aller dans les hauts qui se trouvent juste ici. Voilà, donc vous allez tout simplement aller dans la catégorie gilet. Et vous allez prendre le gilet noir qui se situe tout en bas. Donc vous l'achetez. Comme moi, vous l'achetez, vous le prenez. Et après, vous allez dans chemise pour gilet. Et vous allez tout simplement prendre la chemise antarcite. Ou alors vous prenez la chemise blanc. La chemise blanc argile, donc chemise blanc argile, c'est si vous voulez devenir un flic. Mais pour le SWAT, vous allez tout simplement prendre la chemise antarcite. Dans les pantalons, vous allez tout simplement prendre le treillis noir. Après, si vous voulez prendre un autre pantalon, vous pouvez. Moi, je vous montre ma tenue à moi, donc vous prenez bien le treillis noir. Et dans les accessoires, vous allez tout simplement prendre une écharpe noire afin de pouvoir cacher votre cou pour pas que ce soit tout blanc ou tout noir. Donc, vous mettez une écharpe noire. Et dans les casques, vous allez simplement acheter le casque noir, le casque de moto noir, hein. Donc certes, il n'est pas très beau, mais vous allez voir que après ça rend vraiment très très bien. Vous voyez que ça rend très très bien avec mon masque juste en dessous. Après, vous allez simplement aller sur Back ou Select et aller dans Accessoires Protection. Et vous allez simplement vous acheter un gilet pare-balles standard, donc le gilet pare-balles noir standard. Donc vous le mettez, donc ça va vous faire un petit style de genre... je suis blindé et tout, vous pouvez pas me tirer dessus. Et après, donc j'ai oublié de le montrer dans la vidéo, je suis désolé. Vous allez simplement dans les chaussures et vous allez dans les bottes. Et vous achetez soit bottes de travail noires ou vous achetez les bottes noires tout court, hein. Vous achetez les bottes tout simplement. Donc là, la quasi-totalité de la tenue est finie. Donc maintenant, on va tout simplement se rendre dans l'appartement. Donc on va faire un petit accéléré afin de se rendre dans l'appartement le plus rapidement possible. Après, vous pouvez choisir le masque que vous souhaitez. Personnellement, moi, pour le masque, j'ai pris le hockey crâne. Donc si vous voulez prendre le même que moi, vous le mettez. Et du coup, voilà, après vous pouvez mettre très bien autre chose, mes potes ont mis autre chose. Donc on va tout simplement se rendre dans l'appartement. Je tiens à préciser que la tenue sera dans la description pour ceux qui n'auraient pas compris et ceux qui auraient oublié des vêtements. Je mettrai tout dans la description. Donc en attendant, moi je vous invite à me rejoindre sur mon groupe Facebook, ma page Facebook et mon Facebook personnel, mon Twitter, donc tous les liens se trouveront dans la description. Si vous voulez aussi rejoindre ma chaîne 100% course qui se trouvera dans la description et en annotation, on vient de dépasser les 2250 abonnés. Merci à tous, vous êtes super actifs, j'adore ça, continuez à être comme vous êtes. Donc après, si vous voulez un véhicule style SWAT, je vous conseille de prendre le Granger que vous pouvez acheter sur le site internet, le dernier site d'achat de voitures. Vous l'achetez et après vous le customisez à votre façon. Personnellement, je vous conseille de le customiser façon noire totale, hein, vitre blindée noire, etc. Donc une fois dans votre appartement, donc vous êtes simplement faire back ou select et vous allez aller dans masque et vous allez simplement mettre le masque que vous souhaitez
Avoir sous votre casque noir. Donc moi je vous l'ai dit, j'ai pris le haut qui crâne. Et une fois que cela est fait, vous allez simplement vous diriger vers la bouteille de whisky. Donc c'est pas logique que le SWAT boive du whisky comme ça. Et vous allez simplement faire boire du whisky. Et une fois que vous avez que vous commencez à boire du whisky, vous allez simplement appuyer sur back, faire accessoire, casque, et vous allez simplement mettre votre casque noir. Une fois que vous avez fini de boire, vous allez simplement appuyer sur Y, il va refermer la bouteille. Et quand il va refermer la bouteille, vous allez commencer à marcher et votre personnage aura tout simplement le masque en dessous du casque. Et après, vous avez votre tenue de SWAT. Après, vous pouvez vous mettre des tatouages sur le bras, ça rend plus guerrier, ça rend plus fort. Donc du coup, voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Partagez-le sur Facebook et Twitter, ça me ferait énormément plaisir. Lâchez un petit commentaire si ça vous a plu. Moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao baby tout le monde.